En fait, il faut juste qu'elle pleure. Si elle pleure, on a réussi. Des bêtises? Oui, elle fait des bêtises, elle arrête pas. On arrive tout de suite. Merci. Donnez-moi son nom et prénom. Voilà, tiens, ils arrivent. Bon. Wesh la famille, c'est Adem et Bilal, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui la famille, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un nouveau prank sur la chaîne. Et oui, ça fait super longtemps les pranks sur la chaîne, donc c'est le retour des pranks. Et bien sûr, on va pranker tout simplement Kaïla. Alors on aura tout simplement besoin de la participation de Selomar. Wesh. Et Mathias. Coucou. Donc voilà, lui en fait il parle pas, il préfère rester anonyme, voilà. Alors pour cette vidéo, logiquement on a besoin de cagoule. Écoutez. Allô? Ouais, allô? Allô? Ouais. Oui. Bien quoi? Ouais, venez vite à la maison là, elle fait que des bêtises. Des bêtises? Oui, elle fait beaucoup de bêtises. On arrive tout de suite. Merci. Donnez-moi son nom et prénom. Kaïla. Votre adresse? Kaka rue.com. On va le mettre en prison. Ok, parfait. En fait, il faut juste qu'elle pleure. Si elle pleure, on a réussi. On va pas se mentir, Kaïla, vous la connaissez pas en réel. Donc Kaïla parle souvent mal à ses grands frères. Du coup, on s'est dit pourquoi pas la prank et lui faire croire que la police va l'arrêter parce qu'elle fait des bêtises. Bonne chance à eux dans les commentaires, parce que c'est eux qui vont gérer la situation. J'espère qu'ils vont avoir un bon jeu d'acteur. Bon bah, la famille, maximum de pouces bleus. Allez, 45 000 pouces bleus pour cette vidéo. Ouais, je sais, c'est très précis. Sur ce, on vous laisse à la vidéo. Bon visionnage, c'est parti. Perfect. Alors là, on a tout simplement attendu que Kaïla rentre de l'école. Une fois qu'elle est rentrée, on va tout simplement lui faire croire et bah qu'on va faire une vidéo 24 heures avec elle alors qu'on va la prank. Ah bon, on fait l'intro? Bon Kaïla, on va faire l'intro de cette vidéo. Arrête de faire la folle. Nous on va faire le 24 heures TikTok. Laisse-moi le dire. C'est bon, tu peux partir, hein. C'était juste ça que t'avais à dire. Allez, va t'asseoir là-bas, dégage. Comme on vous a dit, on va faire un 24 heures pour devenir des stars de TikTok. Alors ça va être très simple, moi je vais être avec Kaïla et Bilal va être avec Léa. Et Kaïla, dégage s'il te plaît, tu gênes en fait. Ah pardon, me barre. Bon, est-ce que t'as trouvé le tic-tac? Bah ouais, j'en ai plein après. T'en as un? Non, bah présente-le-moi s'il te plaît. Mais il est dur ou facile? Il est dur. Eh nah, je vais pas être dur, tu crois que je vais faire des... Tu m'as dit facile ou dur? Bah je t'ai dit facile. Il t'a dit facile? Pourquoi tu t'énerves? Commence pas. Vas-y, parle pas, toi, t'es pas dans l'histoire. Comment ça, je suis pas dans l'histoire? Vas-y, bouge, vas-y, fais-le. Il est nul à chier. Il pue la merde. Allez, assieds-toi, trouve-en un autre. Vous êtes jamais content là? Vas-y, trouve-en. Viens t'en faire un, t'es pas content? Arrête de crier, parle! Ou sinon, moi aussi, je peux crier! Vas-y, c'est ferme-la. Trouve un TikTok au lieu de parler pour rien. Vas-y, c'est. On sait pas danser comme ça! Mais y'a que ça! On sait pas danser comme ça! Assis-toi! Non! Hé, Kaïla, parle correctement! Parle correctement! Est-ce que tu me touches pas? Kaïla, tu vas aller à l'école en pleurant! Kaïla, ça va être très simple. Si tu trouves pas le TikTok là dans 3 secondes, t'arrêtes. Tu filmes pas. On filme pas. On le fait qu'avec Léa. On va bien s'amuser. Bah vas-y, vas-y. De toute façon, on préfère Léa. Bah ouais, mais moi je m'en fous, hein. Préfère Léa, le pop, le peps, m'en fous. Le peps, le Pepsi. Ah, rigole pas, rigole pas! Ah, mais il est drôle, mais il est chiant! C'est toi qui es chiante. Non! Attends, attends, tu veux filmer? Vas-y, viens, viens. Vas-y, viens, on montre sa vraie face devant la caméra. Vas-y! Vas-y! Kaïla, t'as vu commenter? Tu veux que je l'allume? Ils te voient parler comme ça, les abonnés? Vas-y! Tu parles mal à tes frères! Ouais! Kaïla, qu'est-ce qui t'arrive là? Lâche-moi! Attends, attends, dis-moi pourquoi tu parles comme ça? Parce que j'ai envie. Je sais pas ce qu'elle a eu en rentrant de l'école, elle vient. Ouais, non, non, tu viens, tu viens. A chaque fois qu'elle rentre d'école, tu parles mal, tu veux faire la meuf qui décide ce que tu mets à la télé. Vas-y, tais-toi. Tu veux manger sur le canapé, arrête de faire la princesse, hein, je vais te gifler. Hein. Non, pas de respect à tes grands frères. Mon quoi, je veux des grands frères. Voilà, elle continue, elle s'arrête pas, elle enchaîne les bêtises. Bêtises sur bêtises. Ah, bah, ta vidéo, j'en fais pas, tu crèves. Attends, est-ce que tu veux que j'appelle Bernard Leloup? Mais vas-y, toi, j'ai quel âge? Petite anecdote avant de vous moquer, en fait Bernard Leloup c'était tout simplement le monstre qui nous faisait peur quand on était petit. Parce que nos parents ils disaient si vous faites des bêtises il va vous manger dans le lit. Du coup bah c'est resté. Tu veux qu'on appelle pour de vrai? Bernard Leloup. Eh c'est simple, c'est la vidéo là. Non. Ok là, ça va être simple. Tu veux que j'appelle quelqu'un? Tu veux que j'appelle papa? Vas-y. J'appelle papa. C'est quoi Kaïla? Tu vas arriver jusqu'à là, tu vas faire des bêtises, tu nous parles mal. Et vous me saoulez, voilà pourquoi. Kaïla là, y'a pas maman hein. Oh, la tête d'homme, j'appelle la police. La police? Tu veux gazer? Ah, tu vas rigoler, la police? T'es sûr? Mais quelle police? Vous avez pas appelé la police parce que je vous parle mal, réfléchissez, moi aussi, ouais. Tête de nul. Ça, c'est une amende, une insulte, c'est égal 35 euros. La tête d'homme, c'est vrai. Tu veux que j'appelle la police? C'est quoi? Ils vont arriver, ils vont te ramener dans la voiture, ils vont te ramener au poste de police. M'en fous! Là, on est pas en vidéo, donc c'est moi qui décide. Ok, là, la vraie vie, c'est pas Pascal le grand frère. J'appelle la police, il t'embarque. Y'a la tête de Pascal le grand frère. Ok, la tête d'homme, j'appelle. Vas-y, tu me crois pas en plus. Appelle. Mais appelle qui? La police. Allô, bonjour. Allô. Oui, on est bien au poste de police. C'est la police des enfants. Ah, c'est parfait. Ma petite soeur, elle fait que des bêtises. Mm-hmm. Elle fait que des bêtises, venez la chercher. Des bêtises? Oui, elle fait des bêtises, elle arrête pas. On arrive tout de suite. Merci. Donnez-moi son nom et prénom. Kaïla. Votre adresse? 17 rue. On va le mettre en prison. En prison, mon pote.
Voilà, tiens, ils arrivent. C'est bon ton machin là. Voilà, ils arrivent, c'est bon ou pas? T'as que les yeux pour chialer. Je m'en fous, calme. Bon, ils arrivent, hein. Prépare-toi, habille-toi, on y va. Je m'en fous. T'es petite et tu parles mal quand même. J'y fous, me jouer. La meuf, elle a ni peur de nous, ni peur de papa, ni peur de personne. La police, c'est eux qui vont régler ton compte, vas-y. Ils vont faire quoi là? Bah, ils vont t'embarquer, ça y est, c'est fini. Pourquoi tu te poses des questions? Ils vont faire quoi là? Qui fait des bêtises? Tu voulais gazer? Tiens maintenant, allez! Qui fait des bêtises? Tu vas finir en prison avec la petite là! Bon, vous pouvez la prendre, ramenez-la! Quoi, m'énerve? Non, tu vas venir avec nous au poste! Allez! On parle de justice, tu vas venir! Au commissariat! Non! Si! Non! C'est si! Tu vas aller en prison pour une sécurité pour les enfants! Non! Tu te lèves! Non! Allez! Alors, tu viens avec nous! Allez là! Allez! On est à Washington! Au pas de course! Allez! À Washington! C'est Washington, qu'est-ce que tu racontes, toi? Allez au gâteau, allez viens. Allez, tu nous suis. Eh, t'arrêtes de faire la rebelle. Avec la figure en fort, hein. Tu fais quoi toi? Regardez comment elle a chialé. Vas-y, fais voir tes larmes, tu voulais gazer à parler mal. Voilà, merci bien. Allez, ton petit ressenti. C'est qui? C'est Mathias. Et là, c'est Marcelo. Ah, c'était ça la voix toute aiguë alors. Quelle voix toute aiguë? C'était pas lui au téléphone. C'était qui? C'était une application. Lâche les couilles. Wesh. Allez, dis devant les abonnés, tu vas parler correctement à tes grands frères. Non. Eh, la famille, je vous jure sur la tête de ma mère, hein, que la petite sœur là, elle nous parle vraiment comme ça. Et genre, nous, ça nous fait péter des câbles. Tu vois, on peut rien faire, même si on l'engueule et tout, elle parle mal tout le temps. Bon, après, on va pas se mentir. C'est parce que moi et Adem, à l'ancienne, quand on s'embrouillait à la maison, c'est normal, entre frères, on a des embrouilles. Et bah, du coup, quand elle était petite, et bah, elle enregistrait les embrouilles et les insultes. Du coup, bah, c'est pour ça maintenant elle nous parle mal. Donc, quelque part, c'est de notre faute aussi. L'éducation, entre guillemets, c'est nous qui l'avons donnée. Mais en général, devant les gens et tout, elle est correcte, elle est bien éduquée. C'est juste à la maison, elle fout la merde. D'ailleurs, à l'école, tu devrais être pareil qu'ici. À l'école, fout la merde devant les professeurs. Non, parce que mes potes, moi, ils exécutent. Ils exécutent ses potes, ça fait trop la maligne. Je rigole. Elle fait trop la chef des armées, elle. Attends, mais pas. Je te parle. Quoi, toi? Tu vois, recommence. Eh, par contre, je vais appeler vraiment la vraie police là. Un jour, on appellera la vraie police, elle va te chier dessus pour de vrai, et là, ils vont vraiment la ramener. Ah, tu frappes ton grand frère? Ouais. Ramenez-la, monsieur. On est parti. C'est vrai, là, tu crois plus là, du coup. Allez, tu sors. Fred, on l'amène. Ah, tu fais mal, mon frère. Il a dit Fred, on le ramène. Allez, qu'est-ce que je voulais dire? Tes mains, elles sentent le caca. Ça sent bon, wesh. Ah, Kayla, je voulais dire quoi? Pourquoi tu parles pas comme ça au professeur? Bah, parce que j'ai pas envie d'avoir une heure d'école. Une heure d'école? Donc tu préfères pas avoir une heure d'école et parler mal à tes frères? Ouais. Moi, je kiffais les heures d'école. T'étais là, t'allais dans... Ouais, ouais. T'étais en dépend, c'est mieux. T'allais sur la chaise, tu collais. Au revoir, monsieur l'agent. Bon, du coup, merci à la participation de Mathias. Et bah, ici c'est Lomar, hein, vous connaissez. Hein. Du coup, il y aura sa chaîne aussi en description. Donc abonnez-vous. Et là, la petite Kayla, bah, on l'a fait chialer. Eh, mais je vous jure, hein, là, il y en a, ils vont pas y croire. Parce que c'est vrai que là, on aurait vraiment dit une comédie musicale, comme on nous parlait. Perfect. Bon, bah, la famille, on va s'arrêter là. On a réussi le prank sur la petite sœur. Comment tu te sens? Je me sens très très mal. Pourquoi tu mens? La meuf, elle voulait me taper sa mère, elle voulait nous insulter et je me sens très très mal. Logique. En plus, elle dit je me sens très mal avec le sourire. Eh, n'empêche, elle a chialé. Donc, merci aux deux voleurs derrière, les policiers de la BAC. Sur ce, la famille, on va se laisser là, maximum de pouces bleus. Abonnez-vous à la chaîne, si c'est pas encore fait, bah oui, les nouveaux qui regardent, abonnez-vous. Yeah. Bientôt les 600 000 abonnés, mon pote. Bon, la famille, on vous laisse là. Sur ce, partagez la chaîne. À vos amis. Et à vos ennemis. On va se retrouver très prochainement pour de nouveaux pranks. C'était Adem et Bilal. Salam la famille.